Sur cette vidéo défile les lettres pastorales de carême écrites durant les 50 dernières années, reliant la réalité de la société à l'Évangile, comme vous pouvez le voir à travers les titres, une lettre pastorale est un écrit de l'évêque à tout son diocèse. Trois étapes rythment la lettre pastorale. Analyser, évaluer la situation du diocèse et proposer une démarche qui va permettre aux catholiques de relever, dans les années qui viennent, le défi de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Parmi toutes les lettres écrites par les évêques de Maurice, il y a cinq lettres qui peuvent nous porter vers les 50 ans de l'indépendance. En 1969, le cardinal Jean-Marc Géhaud écrit « Travailler au développement ». Un an après l'indépendance, ce dernier fait appel aux catholiques pour qu'ils donnent leur temps à l'une ou l'autre des initiatives en faveur du développement. 11 ans plus tard, en 1980, il écrit « La responsabilité du citoyen à Maurice », dans laquelle il est dit qu'à Maurice, Dieu nous invite à nous convertir à la responsabilité et à l'espérance. En 1993, le cardinal Piat, à ce moment évêque coadjuteur, écrit avec le cardinal Jean-Marc Géhaud une lettre commune « Civilisation mauricienne et valeurs morales » à l'occasion des 25 ans de l'indépendance. Dans cette lettre pastorale de carême, ils ont plaidé pour un sursaut moral de la nation mauricienne, la liberté religieuse et le dialogue sur l'éthique, les trois piliers pour la construction de la civilisation mauricienne dont nous rêvons tous. Pour donner à chacun les moyens de comprendre et d'exercer sa responsabilité politique dans notre pays, il semble urgent que les citoyens puissent avoir accès à une formation civique et politique, écrit le cardinal Piat dans sa lettre pastorale de carême en 2000. Et finalement en 2006, le cardinal Piat écrit « Faire route ensemble au service de l'île Maurice ». Nous avons été choisis comme membres d'équipage, non pas pour rester à terre, nous pavaner en uniforme et nous amuser dans le port, souligne-t-il dans sa lettre.